Alors aujourd'hui, on revient pour faire une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux assistantes, donc qui vont venir vous faire coucou quand même. Coucou. Voilà, elles vont m'aider à faire cette vidéo. Alors je tenais juste à m'excuser par avance parce que j'ai un visage un peu... on va dire difforme, enfin difforme en guillemets. En fait j'ai ce côté là qui est un peu enflé, tout simplement parce que samedi je me suis fait enlever, on va dire en urgence, une dent de sagesse. Donc du coup j'ai légèrement enflé, j'ai morflé on va dire, mais bon ça va, j'ai eu la chance, pas trop mal, mais j'ai bien galéré pour manger. J'arrivais pas à ouvrir la bouche. Néanmoins, samedi, ça m'a pas bloqué pour aller faire du shopping, bien sûr, parce que c'était programmé depuis pas mal de temps. Donc, j'y suis allée avec Véronica, à qui je fais d'énormes bisous. J'ai passé vraiment une super après-midi en ta compagnie. Comme quoi, YouTube, il n'y a pas que des mauvais côtés. Franchement, on rencontre des gens, mais vraiment génial. Franchement, on a passé une après-midi, on avait l'impression, enfin pour ma part, de l'avoir connue depuis tout le temps et c'était vraiment super. Donc vraiment gros bisous à toi, merci pour cet après-midi et j'espère vraiment qu'on remettra ça au plus vite. Donc du coup, comme elle disait tout le temps, on est allé au DM, mais au DM elle disait bon, on va prendre que ce qu'on a besoin. Mais bien sûr, c'est impossible. Vu que voilà, il y a trop de choses et que c'est une tentation, donc j'ai quand même pris quelques petits trucs. Donc les filles, vous m'aidez à me donner les trucs. Non, vous commencez par là-bas parce que comme ça suit le ticket de caisse. Donc j'ai repris ma LAC Sios Volume Lift parce que l'autre elle est bien, mais j'ai plus l'habitude avec celle-là. Donc je me suis dit, pour une fois qu'ils l'avaient, parce qu'ils ne l'ont pas tout le temps, donc je me suis dit que je la prends et elle m'a coûté 2,65€. Ensuite, c'est des produits que franchement j'adore et que j'avais terminé. Donc je me suis dit je vais les racheter. Donc c'est la gamme Fructis. Il me semble que c'est SOS Repair, je ne sais toujours pas le nom en français. Et je crois que je ne vais jamais le savoir. Donc ils m'ont coûté 1,95€ l'unité. Donc autant vous dire que pour le prix de 1 ici, j'en ai 2 là-bas. Donc le shampoing et l'après-shampoing. Et ce qui est sympa, c'est que bon, moi je l'ai celui-là et il est pas mal. Donc voilà, je vais donner à quelqu'un pour qu'il le teste. Donc c'est le sérum. Donc je le trouve, voilà, je les trouve super bien. Et j'avais trouvé ça juste nickel la première fois que je les avais utilisés. Ensuite, j'ai le mien qui commence à plus avoir et l'odeur commence, je l'ai là, juste, non, là, je sais pas, là, voilà, je l'ai juste là et l'odeur elle commence aussi à me chatouiller les narines parce que je ne supporte plus. Donc j'ai décidé de prendre celui-là, voilà, donc c'est le petit parfum avec les petits bâtonnets. Donc j'ai payé 2,95€, donc voilà, j'ai hâte de changer parce que l'autre je n'en peux plus. Ensuite, celui-là, non, c'est ça, parce que ça c'est autre chose. Donc voilà, je suis dans une période, je sais pas ce qui m'arrive et pourtant j'en ai en stock. Alors excusez-moi, bien sûr, je me suis lavé les cheveux, vous connaissez les rituels, je suis toujours en train de les toucher. Je me suis racheté un gel douche, mais genre j'en ai pas assez quoi. Donc c'est de la gamme Balea et il sent mais super bon, c'est juste une tuerie. Alors les filles, il sent bon ou pas? Ouais. Ouais, alors voilà. Alors il sent super bon et surtout pour le prix, franchement 85 centimes pour 250 millilitres. Donc je me suis dit bon, je me laisse tenter, mais maintenant j'arrête avec les gels douche parce que sinon bientôt je suis pire que Sephora, tous les gros magasins et tout combinés parce que j'ai un stock de malade. Ensuite, c'est ça.
Donc je me suis pris des lingettes démaquillantes parce que celles de DM, vous savez très bien que c'est mes gros chouchous, mes gros coups de cœur. Et que voilà, je peux pas en passer. Pardon. Donc il y en a, je ne sais jamais combien il y en a, 25 pour 1,25€ le paquet. Donc je me suis dit, bon, j'en prends deux pour avoir un stack. Un stock. Je ne sais plus parler. Donc voilà. Ensuite, oula. Alors ça, je vais prendre d'abord les petits. Il faut juste que je retrouve le prix, excusez-moi. Là, c'est le grand d'abord. Ok. Donc, je me suis repris ça. Enfin, c'est pour le boulot, pour le bureau, parce que voilà, on a tous des petits. Et on s'est tous cotisés pour acheter. Enfin, cotisés, non, mais voilà, pour 1,95€. Donc voilà, je vais le laisser au bureau parce que voilà, avec les gamins qui viennent, qui sont malades, les microbes qui volent, c'est super. J'étais malade pendant 3 semaines, voire un mois, donc j'ai pas envie de recommencer. Donc voilà, à chaque fois, voilà. Donc voilà, et ça m'a coûté 1,95€. Et après, pour avoir dans le sac à main, parce que les miens ils sont finis, et franchement, j'ai trouvé que les petits formats ils étaient super sympas. Donc j'en ai pris aussi, donc c'est des trucs antibactériens, parce que je crois que je n'ai pas précisé. Donc j'en ai pris deux. Et l'unité coûte 95 centimes. Donc voilà. Ensuite, ça. Donc après, il y a cette charmante Véronica qui me fait « Regarde, regarde !» ils sont super sympas ceux-là, c'est vrai que je ne les ai pas encore testés, mais enfin pas encore testé cette marque-là. C'est la marque Manhattan. Donc voilà, la marque Manhattan. Donc on a un côté rouge à lèvres et un côté pour faire tenir ou glossir. Et donc voilà, alors la couleur, c'est un rouge assez pétant. Mais franchement, il est super beau, je trouve. Voilà. Voilà, il est super beau. Donc celui-là, je l'ai payé 5,35€ et franchement, j'ai hâte de le tester. Ensuite, un truc qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, mais je ne savais pas quel prendre et quoi prendre et surtout pourquoi le prendre, mais je l'ai quand même pris. Donc c'est les Jumbo de chez Essence, Stay No Matter What. Je sais, mon anglais s'améliore de jour en jour. Et c'est le nom, je vais vous laisser regarder, hein. C'est celui-là. Je sais pas si vous allez voir d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est bon. Et voilà, il est super beau. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et il est magnifique. Et il y a la petite qui fait waouh. Et celui-là, il m'a coûté. Oh, pardon, excusez-moi. 2,45€. Alors. Pour finir ODM, vu que j'étais malade comme une tarée et que j'ai fini tous mes stocks de mouchoirs et surtout mes boîtes, donc j'en avais besoin d'une pour ici, parce que à l'internat c'est bon, je l'ai. Donc j'en ai pris une comme ça, une carrée, j'aime bien, donc j'aime bien les petits décors, hein, voilà. Et je l'ai payé 85 centimes. Ensuite, bientôt j'ai plus de place ici, donc je vais le remettre ici. Ensuite, un autre truc qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, et c'est bon, Véronica a fini par me dire, mais vas-y, prends-le, teste-le, comme ça tu nous en parleras à limite. Donc, c'est la un de toi, crème camouflage, enfin le truc camouflage de chez Catrice. Je l'ai pris en teinte 30 rosy beige, et je l'ai payé combien? Je sais pas. 2,95€. Alors voilà. Il est... alors surtout que j'avais dit... Bon là vous n'allez pas voir grand chose. Et je sais pas pourquoi je vous fais un swatch de ça d'ailleurs, mais bon. Bref, c'est pas grave. Les tournées. Allez, ça y est, maintenant je me mets à chanter. Pas grave. Ensuite. Non, ça d'abord. Ensuite, au DM aussi, au Lidl. Vu qu'il y a Lidl juste à côté du DM, comme tout le temps presque, je me suis dit on va faire un tour parce que je voulais prendre 2-3 petits trucs. Donc les trucs que j'aime bien là-bas, c'est ça. Voilà. Alors celui-là, c'est au yaourt. Donc c'est des galettes de riz soufflées avec un nappage, quoi. Et celui-là, c'est au yaourt. Et celui-là, c'est au chocolat.
Donc voilà. Alors je voulais absolument prendre cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des petites. Enfin, c'est des petits sachets de 3 à chaque fois à l'intérieur. Donc c'est super sympa quand je veux en emmener au boulot, quoi que ce soit. C'est super, enfin, c'est super quoi. Donc 99 centimes l'unité. Donc ensuite, pour finir notre folle épopée comment on appelle ça, de shopping. Donc je me suis dit bon, on va vite passer à ma jardinerie. Oups. C'est parce que là-bas, en fait, j'ai mes bougies hein, qui candèlent. Donc j'en ai pris 2. Donc celle de la à cerise noire, qui est juste une tuerie. Donc c'est celle-ci. Et oh, il y a un chien qui apparaît, normal. Scoop de l'été. D'accord, si tu veux. C'est celui-là. C'est rouge. Et elle sent mais juste trop bon. Limite on dirait du bonbon, des bonbons. Hein? Ouais. Donc 2,50€ l'unité. Donc voilà. Arrête de me faire rire parce que j'ai mal. Alors vous voulez faire la fin. Alors moi je voulais juste vous faire d'énormes bisous et aussi vous remercier pour le nombre d'abonnés parce que ça s'agrandit mais de jour après jour. Aujourd'hui à l'heure actuelle, parce que je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo, au jour d'aujourd'hui je suis à 351 abonnés. C'est juste énorme pour moi parce que je pensais pas en avoir autant. Pourquoi il s'arrête ce truc? Ouais bien. Bref. Donc voilà, c'est juste énorme. Donc voilà, j'ai plus rien à dire. Gros bisous, encore merci à Véronica pour cet après-midi de folie, j'ai envie de dire. J'ai du mal. Donc du coup, le final, c'est mes filles qui vont le faire. Alors attention, 1, 2, 3. Salut. C'est tout ce qu'on dit? Ouais. Tu disais quoi avant? Voilà. Donc en gros voilà, c'est voilà la fin de mon haul. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye les filles.